Chapitre 1, verset numéro 4. Vaïsoul em nashim moabiot. Ceux-ci épousèrent des femmes moabites. Shema echad Orpa, l'une s'appelle Orpa. Veshema shenit Ruth, et l'autre s'appelle Ruth. Vaïesh vusham. Ils demeurèrent là-bas, ke eser shanim, une dizaine d'années. Alors, plusieurs questions surgissent de ce verset. Vaïsou la'em nashim. Le texte ne dit pas qu'ils se sont mariés, mais littéralement vaïsou la'em. Ils se sont mariés pour eux. Nashim moabiot. Ils ont contracté un mariage avec des femmes moabites. Mais, a priori, c'est redondant, ça. On aurait pu très bien marquer, ils se sont mariés avec des Moabiot. Pourquoi des femmes moabites? Évidemment, des hommes se marient avec des femmes. Pourquoi préciser Nashim, des femmes moabites? Shema Echad Orpa, l'une s'appelle Orpa. Vachinit Ruth, c'est l'héroïne de notre Megillah. Vayesh Boucham, ils s'installèrent encore une fois. On voit la dimension demeurée. Ouais. Ils étaient au début en mode simple visite, puis ils s'installent, puis ils demeurent, puis eh ben, ils font des vieux os. Ke'eser shanim, à peu près 10 ans. Pourquoi à peu près 10 ans? Pourquoi le texte ne spécifie pas exactement combien de temps exactement? Voilà un petit peu l'étendue des quelques questions sur ce verset numéro 4. Alors, élément de réponse. Dans une vie tragique, dans une tragédie, pardon, où un papa a fauté par rapport à un repli sur soi-même, il avait la possibilité de prendre en main sa génération et il s'est déconnecté de sa mission. Il est rapidement mort et évidemment les personnes peuvent tout simplement créer un lien en disant voilà, il n'a plus de quintessence et donc il n'a plus d'utilité. Donc on pourrait imaginer qu'il y ait une réaction immédiate des enfants pour pouvoir réamorcer la pompe, essayer de rédimer la faute du papa. Et effectivement, l'expérience du mariage dans toutes les civilisations est une expérience absolument magnifique pour apprendre à donner, pour apprendre à rentrer dans le monde du chesed, pour ne pas être dans un monde d'intérêt, dans un monde de troc. Le plus beau laboratoire du chesed, c'est évidemment le mariage, qui va mettre l'un en face de l'autre, le féminin et le masculin, et qui sont tellement différents, et ces abysses de différence vont sécréter justement la nouvelle philosophie du don. Et donc on pourrait imaginer justement que le mariage de Mahlon et Kilion se mette dans cette perspective de réapprendre à donner, mais malheureusement, cette expérience est d'une certaine façon dévoyée, puisque le texte précise Vaïssou la M, ils se marient pour eux. Ils se marient non pas pour donner, mais pour prendre. Vaïssou la M, c'est quelque chose qui est orienté vers eux-mêmes. Alors, que veut dire Nashim Moabiot? Évidemment, c'est des femmes. On se marie avec des femmes. Moabiot, on aurait pu très bien dire des Moabiot, non. Étant donné que leur entrée dans le mariage n'est pas dans une perspective de don qui va permettre à chacun des éléments du couple de se façonner mutuellement, de grandir mutuellement, puisqu'il s'agit ici d'une entrée égoïste, alors d'une certaine façon, ces filles qui étaient issues de Moab, qui se sont certainement converties pour rentrer, et ça, les maîtres le disent, pour entrer dans la vie de Mahlon et Kilion, n'empêche que malgré la conversion, elles n'ont pas eu une source d'inspiration suffisamment forte de par leur mari, feu l'arrêt d'esprit, qui fait qu'elles sont indéniablement restées dans ce qu'on pourrait appeler leur moabite attitude. Il n'y a pas eu l'effet de façonnage mutuel entre les deux protagoniste, il y a tout simplement deux individus dans un couple qui restent campés, cantonnés dans leur desiderata singulier. Voilà un petit peu ce qui se trame ici. Donc tout est encore une fois une question de voie de causalité, de conséquence. Puisqu'ils rentrent mal dans le mariage, donc du coup les femmes restent dans leur moabite attitude. Shamay Chador Pav et Shamay Chitrout Veishmusham Keser Shanim. Ils sont restés là-bas à peu près 10 ans. Quand est-ce que dans la vie
On dit à peu près 10 ans. Certainement pas une personne qui se trouve en prison qui va compter jour après jour le nombre de jours qui lui reste à subir dans cette prison terrible. Lorsqu'on dit qu'il s'agit à peu près 10 ans, ça veut dire que l'exil dans les plaines de Moab pour ses deux enfants, Machlon et Kilion, n'est pas quelque chose qui fut comme une prison. Ils ne languissent pas suffisamment la terre d'Israël pour vivre cela mal. Ils sont pas sans arrêt en train de se dire, mais quand est-ce qu'on retourne au bercail? Quand est-ce qu'on retourne en Israël? Il n'y a rien de cela. Et donc le texte vient ici pointer du doigt une attitude dommageable. Pourquoi t'es à l'extérieur de la terre d'Israël et cela ne te fait pas souffrir?